Oui, moi je m'appelle Adama Baradi. Donc Jésus est Père Moussa. Il ne veut pas payer mon argent. J'ai commencé le jeu à Père Moussa, ça fait 9 ans maintenant, depuis 2011 jusqu'à 2020. Maintenant, bon, j'ai gagné 10 millions au Kento. Ils m'ont donné une semaine, après une semaine, je viens prendre le chèque. Maintenant, je viens prendre mon chèque après une semaine. Ils m'ont dit que non, c'est moi-même qui ai falsifié le ticket. Donc, le ticket là, voilà le ticket. Le premier jour que je suis parti au PMG, voilà ce qu'ils m'ont donné. On m'a dit d'abord que non, ma carte séjour n'est pas à jour. J'appelle un frère, que non, lui, sa carte séjour, ça va remplir le dossier. Voilà les deux hommes, ceux qui m'ont donné. Que non, l'autre, on appelait, mon frère s'appelle Sekou Sako. Maintenant, mon frère est venu, il a rempli le dossier, tout, on m'a félicité, que non, mon petit, tu as gagné, félicitations, tu as gagné. Après une semaine, vous passez, vous prenez votre chèque. Après une semaine, je passe, on m'a arraché le ticket, que non. C'est moi-même qui a falsifié les tickets. Je vais trouver les machines où. Donc, voilà pourquoi j'ai envoyé le message au chef de l'État, Ali Bongo, Ondimba. Donc, comme je fais l'escroquerie à Port-Jean, je voulais que, quant à moi, je voulais que Ali Bongo ferme le PMG de Port-Jean. Maintenant, il faut les escroqueries partout, partout. Les premiers gens que j'ai amenés à Pemouze, eux, ils m'ont fait sortir au bureau. Que non, je sors et ils vont parler avec les chefs de Pemouze. Après, un jour, j'appelle la personne et il dit que non, lui, il ne peut plus. Donc, je ne comprends plus. Voilà pourquoi je suis venu parler à la télé. Je suis dépassé, quoi. J'ai fait l'escroquerie à tous les... Je parle avec tous les Gabonais, tous les étrangers. Ils n'ont pas fait attention avec Pemouze. Maintenant, il n'y a que l'escroquerie dedans. Donc, j'ai fait le message là. Quand ils m'ont livré mon argent, je vais revenir pour dire que non, ils ont payé mon argent. Mais s'ils n'ont pas payé mon argent toujours, je vais revenir encore que non, ils n'ont pas payé mon argent. Pemouze fait l'escroquerie. Tous les tickets là, moi je vais falsifier tout ça là, pourquoi? Même la dame là où j'ai joué, la dame a reconnu que non, j'ai joué, j'ai gagné. Devant lui, moi-même, je prends les tickets, j'ai calculé. C'était 33, le quinto. C'est pas toi-même qui vas choisir le numéro. Tu parles, tu dis non, j'ai joué au quinto. Tu donnes 500 seulement. Donc le jour là, j'avais joué plus de 40 000. Donc, du coup, j'ai calculé, j'ai gagné, j'ai calculé, j'ai gagné. J'ai dit à la femme que non, j'ai gagné 10 millions. Elle a dit non, c'est faux. Elle-même, elle a pris le ticket, elle a calculé, c'était 33. Le quinto, si ça paye 33, tu as 10 millions. Si ça paye 24, tu as 1 million. Maintenant, on a calculé, c'est 33. J'ai 10 millions. Donc la femme, avec la paire, on a levé la femme là où elle joue, dans les caisses. Maintenant, donc, je ne sais pas là où est la femme. Mais j'étais avec lui, on a calculé. Le jour qu'on a calculé, je suis parti le voir encore. J'ai dit, tu reconnais que non, j'ai joué, c'est toi. Elle a dit oui. Parce que PMG a dit que non, j'ai falsifié le ticket. Elle a dit oui, j'ai reconnu que tu as joué ici. On m'a appelé là-bas, voilà, voilà, ce qu'ils m'ont dit, c'est que le ticket ne gagne pas. Donc, ce n'est pas moi qui a falsifié le ticket. Toi-même, tu as reconnu que j'ai joué. J'ai sa voix ici, après tout le monde va écouter ça. Au niveau de la justice, je suis parti d'abord à la gendarmerie. Donc on est parti là-bas, le gendarme est venu là-bas. Donc on m'a fait sortir dans le bureau. Que non, et ils vont parler entre eux. C'est moi-même qui ai joué dans mon ticket. Pourquoi ils vont me faire sortir? Que eux-mêmes ils vont parler. Après ça, j'ai appelé le gendarme. Lui, il ne me connaît plus. Je suis parti au tribunal avec le comité malien.
Donc, le tribunal dit que chacun prend son avocat. Moi, on dit que non. Je ne vais plus demander 10 000 euros, je vais demander demande d'intérêt. Parce que depuis le 12 mois 2019, ils m'ont fait balader à cause de mon argent. Donc je suis venu me plaindre. Sinon, je vais sortir à la télé aujourd'hui.